C'est plutôt les pères du mensonge, les diables, Lucifer, les serpents anciens, qui est très beau. Alors les gens, beaucoup plus dans les apparences, les mensonges des apparences, ça mine notre musique, la facilité mine notre musique, le plébiscite prématuré, la génération elle qui n'a offert Ecola, au Ponana sous Babi Misato. Pour un yé nan nous faire rigola, oui, pour l'amitié wata héritier wata. Le troisième choix nan a est reçu prendre yo nan Ibrator Piana. C'est un artiste que j'affectionne beaucoup, des fois par son humilité d'abord. Aloba mingna moussala, il parle avec sa voix, ok, pas trop des blabla. Je l'aime bien, il joue très bien. Moi j'aime les orchestres en fait, au rien à disque, au lieu qu'il était en live. Donc, les yeux fermés, je sais que les padres sont carrés. Carrés. Fali, pour pâté, on a papa moi attendu le message. Non. Ah, il y a l'ingi peut-être que ngai na antenne na ngai bapé singa na léons na antenne CD na lobe la mout na yé peut-être. Il faut y poser à l'aise. Voilà. Faut y aller bien. Faut que n'est pas bakoulou tout, que yoka bakoulou tout, bato ba les cadets kana yoka bakoulou tout. Un artiste doit être humble, humble. Un artiste doit être ouvert à l'écoute des autres. C'est le professeur Gilles Kibens Tosolo Lanano. Qu'est-ce que vous avez bénéficié en termes artistiques à côté de Papa Chéri? Beaucoup, beaucoup. D'autant plus que Papa Chéri Aza, c'est un artiste né, quoi. Un leader né, un charisme naturel. Donc c'est quelqu'un qui a connu une très forte formation musicale que tout le monde connaît, Wenge Musica 4x4. Avec toute la crème, il y a des artistes, Wazalaki Nakati, Alem Akaba, président Werasso, comme chanteur le Kola, ingénieur Sielebou, Mwakazi, Saman Bachofone, Sotali, artistes, Kapon, dont des artistes. En tout cas, ils ont parmi les groupes, on a moins de manqué rien d'un artiste, parmi les groupes, à Makassia Mboka. Voilà. Une question de curiosité, le professeur Gilles Kibens, d'où est venue cette passion pour la musique? Et depuis ma tendre enfance, depuis ma Mangembo, tu as souligné, c'est une mission catholique au Congo central. Ouais. J'ai salué d'ailleurs, je viens de voir un ami qui a parlé de, d'un regroupement du Congo central qui se retrouve, je pense, à Bandal avec la musique folklore. Folklorique des chenoux. Voilà. Donc j'ai salué l'initiative, j'ai salué d'ailleurs mon neveu aussi qui est membre là-bas, qui s'appelle Honorable Christian Lusayadio, que je salue, qui est en train de nous suivre. Donc voilà, c'est de là qu'étaient nées ses passions. Donc c'est depuis ma tendre enfance. Voilà, on avait tout de suite remarqué, je dessinais beaucoup depuis la première année primaire, et tout de suite remarqué par les prêtres à l'époque là-bas que voilà, j'avais une très belle voix, et j'ai chanté donc à l'église tous les dimanches. Wow. J'étais l'attraction, tous les anciens de Mangembo, que je salue d'ailleurs, savent que lorsque je montais à la chaire pour chanter, vraiment, tout le monde était en transe. Voilà, donc, mais vous êtes aussi parolier, hein? On va dire oui. Ça c'est clair. Depuis que j'étais tout gamin, j'écrivais déjà des petits textes avec mon grand frère qui m'encadrait, qui s'appelle Maestro Fab. Il s'appelle Fabien Kelani, c'est mon grand frère. Ouais. Des pères et de mères, donc voilà. Des pères et de mères. Oui, il joue à l'accordéon, il joue au synthé, il joue à la guitare, il chante. Et d'ailleurs tous ses enfants grattent, donc c'est congénital. Voilà. Chez nous, tout le monde chante. C'est héréditaire. Nous voilà, on va dire. mon père était dans la chorale. Okay. Ma défunte mère aussi. Ma soeur jumelle chante. Et donc voilà, tout le monde est artiste. Voilà. Mesdames et messieurs. D'ailleurs, mon frère, Esther, que je salue, qui chante aussi très bien. Mais lui, c'est pour les seigneurs. Voilà. Ouais.
Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Merci beaucoup, Achille Mboyo, depuis Londres, Zola Nabiso, Christian Mokwa, Efemia, le patron de l'équipe Céleste. Merci beaucoup. Il y a Jeannot Binano, bon dimanche à vous. Blaise Midi, hein, bon tonton à Paris, bon séjour à Kinshasa. Et puis à Zo Landamiso. Na Juvestir, na yo, na parcours, na élogé, le professeur Gilles Cubins. Vous avez quatre chansons déjà. Loverman, nous avons Voiture, Mbetu et Lali. Et Lely. Excusez-moi si je massacre les noms. Il y a Kwado. Pourquoi Kwado? Kwado dans balle de match. Balle de match, ouais. Ouais, Kwado, ils sont là na Congo. Combo on a d'abord, ils sont là RDC. Donc, on a bamba bapine, on a bongi sa bapine. En fait, ça, l'étymologie, en fait, aura moana, ils a à l'époque, il y avait un sujet blanc qui vendait des pneus. Ouais. Vers ma main, moi, qui s'appelait Monsieur Kwado. Monsieur Kwado. Voilà. Mais, qui n'a pas été là, bah, Monsieur Kwado, Kwado. Donc, on a tambouli bambou que le Kwado est arrivé au Congo. J'ai fait un clin d'œil à ça. J'ai fait une analogie. Dans le Kwado, va te faire un pépé, mais au papé, ma basson bangote. Mi bali pe, tonio ko la basse, pour la boulingo, tout ça, au fêlé. J'ai écouté la chanson. Voilà, donc, d'ailleurs, j'ai devais déjà en exclure venir avec le clip. Malheureusement, le montage n'est pas fini. Il y a des petits détails. Je pense que les dimanches prochains, on pourra déjà avoir le clip de Monsieur Kwado en exclu chez le bel homme de la RTLC2. Léon, c'est vrai qu'il fallait aller à Bandaka là. Ouais. Mais c'est Constance Aosala Moussala. Qui est belé, bah voyage, qui est belé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Kibans, actuellement le directeur artistique du groupe Wingé BCBG. Ça fait, c'est depuis 25 ans déjà. Ah oui. Vous assumez. Oui, j'étais. En fait, il y avait Makaba à l'époque. Ouais. Après Makaba, il y avait Titina Al Capone. Ouais. Papi Titina Al Capone. C'est le professeur, votre humble serviteur, devant vos petits écrans. Donc voilà. C'est très rarissime de voir un directeur artistique chanteur. C'était souvent des instrumentistes, des gens qui... Voilà, mais moi, c'était vraiment l'exception. Et je pense que, comme on juge l'arbre à ses fruits, je pense que si on voit la discothèque de BCBG, distillée par Papa Chéri et l'ensemble de BCBG, je pense que on doit m'étirer le chapeau comme une fière chandelle. Et voilà, très bien, le professeur. Quel est le rôle, en fait, on se pose des questions, quel est le rôle d'un directeur artistique au sein d'un groupe? C'est quelqu'un qui doit avoir une grosse sensibilité artistique, une grosse oreille musicale. C'est quelqu'un qui doit connaître, on va dire, le solfège, savoir harmoniser les sons, harmoniser les voix, l'harmonie des voix, l'harmonie des sons, savoir canaliser les talents des parties à chaque artiste. Et vous savez que BCBG, c'est des artistes très séduisants. Voilà, on a toujours fait que ceux qui viennent à BCBG puissent avoir un certain profil. Et donc nous, moi, je suis là pour essayer de mettre tout ça ensemble. Voilà, tous ensemble, pour mettre ça en musique, et puis voilà. C'est un peu ça, en grosso modo. En gros, voilà. Le professeur, j'étais témoin oculeur lors d'une production. C'était au camp David, chez les boss Martin Lukusa, les boss Centricage. Centricage que je salue, les boss Martin. Voilà. Papa Chéra Matin est un podium T. J'étais là, mais au balou qui n'a pas ma podium. Mais on a dit nous satisfait. Nous avons tout à l'heure mouvement. Après un moment, on commis satisfait. Et les garandes, d'abord, ma production, il y a ma jarouana. Ouais. J'imagine qu'ils dansent au four et au moulin. Toujours. J'ai fait ça fait des années. C'est comme Jean-Baptiste, on va dire, avant la venue du Christ, il y a quelqu'un qui vient pour annoncer, pour planter le décor. En fait, pour voir si tout est prêt, tout est en place, balance de son, accordage des guitares, donc bref. BCBG, c'est pas une musique tintamardesque qui dérange. Voilà, il faut veiller à ce que les gens puissent avoir, c'est crier les tympans, donc tout ça, il faut voir, les micros du leader, les micros des artistes,
Donc, lorsque tout est en place en ce moment-là, l'homme peut monter sur les podiums. Mmh. Je cite El Salvador. De la plâtre. Voilà, c'est comme ça. C'est routinier. Mmh. C'est quelque chose que je fais depuis les Zénith. Les aînés de Paris. Okay. Je suis fier que beaucoup des jeunes aujourd'hui nous emboîtent le pas dans les grandes salles. C'est une grosse fierté pour notre pays. J'entends des arénas, j'entends des casinos de Paris avec Maestro Fab, l'homonyme de mon grand frère. Ouais. Et donc voilà, c'est une grosse fierté. Et c'est tout bénef pour la République, pour notre pays. Voilà, très bien. Une grande nation. Une terre de musique, voilà, comme disait votre aîné Mandachebo. Mandachebo, terre de la chance. Voilà, très bien. Parlons de l'album Balle de Match. Vous êtes mieux placé, vous êtes le directeur artistique. Mais apparemment, pas problème, on ose quand il y a un clip. C'est comme si l'album est bimé, mais un clip, c'est toujours en retard. On se pose des questions, c'est dû à quoi? Bon, il y a eu des petits couacs avec le producteur, on va dire, avec la maison du disque, en fait la maison que je ne vais pas citer. Mais on se dit, voilà, avec les clips qu'il y avait avant les teasers, les teasers qu'il y avait avant la sortie de l'album et quelques clips, donc on a tout fait pour remettre les choses en place. Et heureusement que les chansons sont d'une facture artistique à ne pas démontrer. Les gens, on sait les voir dans nos concerts ou partout où on va, dans d'autres pays où on rencontre des fanatiques qui connaissent quasi totalité des chansons. Et c'est bon, maintenant, nous sommes à pied d'œuvre tous pour... vous savez que les CLG, c'est toujours des œuvres qui résistent à l'usure du temps, des œuvres d'anthologie. Et nous sommes sûrs que bon, ça va continuer à caracoler dans les cœurs des fanatiques. Et donc... comme je vous ai dit tout à l'heure, dimanche prochain, vous allez voir déjà, il y a les clips déjà, il y a des clips qui sont déjà prêts avec Essegué Mignon qui est déjà, qui est venu à la charge avec son clip, avec sa chanson Nzola, et moi-même Quado, et Papa Chéri aussi en silence, en train de peaufiner de ses clips, donc il n'y a pas de souci, on est là. On est là, la preuve est que voilà, nous sommes jamais, il n'y a pas de repos, on est tout le temps parti, on est tout le temps en concert, et des tellement sollicité, ça veut dire que la mayonnaise arrive, donc il n'y a pas de souci, on est là. Comme dit Papa Chéri, on est là, toujours. Voilà, toujours. Nous partons toujours dans l'aspect scientifique, parce que qui baisse les professeurs sont à Ken Afonso, comme ça, Torokita, ce groupe pour s'appeler Sabango. Voilà, l'artiste Gilles Cubens, je fais des réflexions. Mais qui vont parcourir un parcours élogé parce que vous avez parolé, on se pose des questions. Pouvez-vous nous parler de votre processus de création musicale et de votre approche de l'écriture parce que vous êtes parolé. Mon écriture, je suis sur la France à ma place. Dans ce live, le roman expressement. Parce qu'il y a le professeur. Bon, vraiment, nos amis sont à l'aise, nos Français, ça c'est clair. Voilà. Et puis, ils appellent Marc les fabriques. Moi, je suis tout le temps avec Colmo, la manière qu'on a, la manière. Il blague, tu sais, il est Colmo, solo. Et puis, on tente comme il peut. Vraiment, je salue mon père, Papa Dengue Philippe, qui est un grand enseignant chevronné, peut-être 60-50 carrières dans l'enseignement, donc c'est une vocation. Et moi aussi, je t'ai appelé normalement à enseigner, j'aime bien enseigner. Et j'enseigne aussi au niveau de BCBG, on va dire. Bien sûr. Dans mon rôle de directeur artistique. Donc voilà. Processus, mais voilà, on est des peintres de mœurs. Nous vivons dans une société et on regarde ce qui se passe. Et aussi, j'ai une grande source d'inspiration qui s'appelle la parole de Dieu. Waouh! Donc, Bible, infinité d'inspiration. Sur mon Ibanzem, on a toujours la parole de Dieu. Parce qu'il y a parole mot que personne, alors pas peut contredire. Ouais. Depuis au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, jusqu'à maintenant, jusqu'à jamais, personne ne contredira ce qu'il y a dans la Bible. Et donc déjà, j'aime bien mon grand frère Félix Oisé, quoi, qui puise aussi beaucoup dans la Bible. Donc bref, nous avons la société, nous avons les écritures saintes, nous avons aussi une âme qui intériorise Makamoto Mola dans la société, et puis tout... Rémi Misakango, c'est même processus avec la peinture aussi, parce que chez Beaux-Arts, il y a la composition, il y a aussi un cours de composition, il y a un cours d'harmonie des couleurs,
en musique, c'était la composition et l'harmonie. Faut bien agencer les couleurs. Ouais, voilà, c'est un puzzle, et puis ouais. Du puzzle, tu mets ensemble. Et puis voilà, tu entres dans la vie des autres aussi. Comment est-ce que les gens, les histoires vécues par Léonce, vécues par Yvonne Zan, l'aigle des Kaoélé que j'ai salué, vécues par les mannequins du barreau, Jean-Claude Mbak que j'ai salué. Sans oublier, tu as fait un clin d'œil à celui que nous aimons, rappelons affectueusement, la charge de la République. Les bâtonniers, coucou, Cailloudi. Les bâtonniers. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça. Okay. Et ça requiert justement beaucoup de vertus. Ok. Essentielles, notamment l'humilité. Un artiste doit être humble. Humble. Un artiste doit être ouvert à l'écoute des autres. Voilà, si tu as un but de toi, tu es dans ta coquille, tu t'es recroquevillé dans ta coquille, et ben voilà, tu ne sauras pas. Les gens ne peuvent pas se retrouver dans ce que tu fais parce que c'est un TP, il faut vraiment parler avec les autres. Tu vois que je suis en noir, voilà. Nous sommes des noirs vêtus. Ouais, bien sûr. Parce que c'est pas encore coïncidence. Un deuil permanent. Ouais, ouais. Nous avons un deuil permanent parce que ça tue. Ouais. À l'est, voilà. Nous sommes vraiment en synergie avec nous. Ça tue à l'est. Ouais, ouais. Ça fait juste des décennies et il est temps que ça s'arrête. Ouais. Et je l'ai dit devant votre caméra, la caméra d'un aussi grand vecteur de communication qu'est la RDC, ouais. Pour dire ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter parce que l'éternel Dieu des armées est debout. Le redoutable au combat est debout pour la RDC. Hein, c'est lui qu'on appelle la terreur de l'Égypte, la confusion des Babylones. L'heure de la paix au Congo est arrivée. Je l'ai dit, c'est prophétique. Amen. Voilà. Très bien. On se pose des questions. Le professeur Gilles Kibanse, qu'est-ce qui gangrène la musique congolaise actuellement? C'est la facilité. Les jeunes surfent beaucoup sur tout ce qui est facile, ce qui saute aux yeux, les mensonges, des apparences. Voilà ce qui mine un peu. Voilà, ils sont. Les artistes s'investissent beaucoup plus dans le moi, dans les narcissismes, dans ce qui est apparent. Alors que la musique, c'est d'abord. La musique rime avec l'esprit. Ouais, très bien. L'homme n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. La musique est de Dieu. Il faut être. Avoir l'image du Christ, comme j'ai dit, être humble. Mmh. C'est lui qui n'attirait pas les regards, s'appelle Jésus-Christ. Les gens disent en fait, on représente Christ par un bel homme avec une raie. Mais non, Jésus-Christ n'était pas beau, la Bible nous renseigne. Mmh. C'est quelqu'un devant lequel tout le monde détournait les regards. C'est plutôt les pères du mensonge, les diables, Lucifer, les serpents anciens, qui est très beau. Alors les gens, beaucoup plus dans les apparences, les mensonges des apparences, okay. Ça mine notre musique, la facilité mine notre musique, le plébiscite prématuré, facilité. Il faut y être en repos à la l'aise. Voilà. Il faut y être qu'on l'a bien, il faut qu'il n'y ait pas bakulutu, qu'il n'y ait pas bakulutu, bato ba les cadets qu'on a eu kaka bakulutu, n'y a kaka. Voilà, très bien. Donc c'est un peu ça quoi. Voilà, merci beaucoup le professeur Gilles Kibanse. Déjà, le professeur Gilles Kibanse, nous parlons de la musique congolaise. Mais les autres, tu as là, la télévision, votre réaction, le professeur. Qu'est-ce qui est nouveau, Nzambe France? Et le connu les a si connaissés à moi. Voilà. Tout a été créé. Et même la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. Christ, c'est la Pâque avant la Pâque. Christ, c'est l'agneau immolé sans tache qui avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Donc là est le côté. Tu as dit que l'amour. Nous avons été créés, Tokelamana et Lilingi, il y a papa Namiso, il y a Nzamba. Nzakomba, et Lilingi, Nzakofo, tout ça à la bouquée ici, Nabaniam. Ok. Tout ça, nous sommes dotés, tout ça à mon limo. Tout ça, excusez-moi, quand ça va, pasteur. Ça qui est mis sur tout ça dans mon doigt, on a dit non. Nous sommes les temples de Dieu, la demeure de Dieu. Très bien. Il faut tout ça dans les allées, beaucoup bouillé à humilité. Si tu dis ça, tu as dit que 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 t
Il y a toujours des querelles. À l'obéli, il y a Bolingo, effectivement. Bolingo est c'est parce que Dieu est amour. Voilà. Et pourquoi Bolingo est là? Place Saint-Esprit, il faut Bolingo est là. Sauf que Bolingo est là, tu sais qu'il faut revoir. Si tu n'es plus le demeure de Dieu, tu es la demeure de qui? Donc, voilà. Il y a moi, je montre au fin de ça, je suis là, quand ça, tu vas être qui ici, tu aimes la Satan. Non, c'est faux. C'est faux, on a eu famille dans la famille chrétienne, depuis basage basambe la waili kenzam basa. Donc bref, yango kaka toujours reproché, toujours mis reproché. Okay. Nous reprochons ça, nous les artistes. Il y a kozanga bolingo, kozanga ko yo kalilo banzambe, mais c'est ça tu voilà. Parce que au lalandeni, Bible le dit que la colère ne se couche pas. Non pardon, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ouais. Yo kana nan dégoté. Au sambe la deni nzamba yo ka prier noté. Donc c'est ça tout le musique est autant à Lola, et ça là, voilà. On ne se bombe pas les torses. En fait. Voilà. Merci le professeur. Bah, question Zoé Labissou et Bélé. C'est M. Ghislain Toalazo, très bien. Depuis Kinsenso, à l'obi, à Fatigue Nayo, à l'ingarayo, Mingi, à l'ingarapé, papa chéri. Toalazo et Laxi, et puis c'est Memango. Memango. Yagalango. Voilà. Salut. Voilà, monsieur Ghislain a tuni relation à yo na Chaïngenge et Zanengenini actuellement. C'est quand Chaï est parti parce que ton soleil na Chaï. Il y a 3 jours. Non, il y a qui mardi. Ok. Ton soleil va bien. C'est Chaï, tu as ma passe en ABCBG. Ouais. Micro n'a pas été bien, donc tu as une complicité, maman Kassi. Ibu Bachai, chanteur de Mboko, que je salue. Mambo, c'est mec qui n'a pas eu moi, c'est qu'il y a Chai Nenge. Ok. Mambo n'a pas eu de salut. Donc, relation avec Kitoko. Toujours, il dit que nous avons un camarade avant de faire. Ok. Nous avons parolier comme son grand frère, que je salue aussi. Papa Mlongi, il y a un papa Mba, sénateur. Ouais. Grand sénateur que je salue. Donc, relation avec. Moi je suis bien, je filme les calumets de la paix avec tout le monde. Il y a toujours un BCB, donc voilà. Voilà. Bah, tout le monde, conseil, nous avons regroupé ça. Nous avons eu Chai Ngenge. Ndenge Azako accusé Weranson que Azu Badansez Naï. Conseil, nous avons regroupé ça. Non, mais. Le ciel ne va pas te tomber sous la tête, mon frère. Donc voilà, tu es un grand garçon. Continue à te battre. Tu es un battant, je le sais. Donc voilà. Ça fourmille, ça pilule des danseuses, des talents dans les Sifikara. Professeur. Ouais, donc, président Weranson, il est payé à Denishaka. Donc, à mon avis, Chahi, il y en a un mot qui est là. Il y a un petit nom, il y a un mot. Il y a un destin, il y a un sous destin. Il y a un petit nom, il y a un mérite. Donc, il y a un mot. C'est des choses. C'est des choses. C'est des choses. Voilà. Ndeko nope artiste Azali Bongo na Tarena le 20 na le 21 fait rigola ta réaction pour na concert na voilà. C'est un artiste que j'affectionne beaucoup des fois par son humilité d'abord. Aloba mingi na musala. Il parle avec sa voix. OK. Pas trop de blabla, je l'aime bien, il joue très bien. Moi j'aime les orchestres en fait, au lieu qu'il y a un disque, au lieu qu'il y ait un live. Donc les yeux fermés, je sais que des padres carrés. Carré. Les yeux fermés, sans réfléchir. Donc je vois que j'ai la réussite au bout. Réussite au bout. Est-ce que vous avez eu un album qui a été héritier Watanabe sur le chemin de la gloire? Novelas. Mon coup de cœur dans l'album, on a déjà, dans le monde, on a une Novelas. Ok. Chef d'œuvre. Chapeau bas, le président de la team. Vous dites que. Maman y a héritier ou ta grand fanatique non. Oh c'est vrai. Donc il est musicien à l'église même pas son fils. Oh voilà maman héritier. Il est surtout content d'avoir ah prof il est musicien maman musicien mère n'habite donc je salue maman au beau club sur artiste
Motona Timbe. Donc félicitations. Beau travail, ma cœur. Orchestration, n'en parlons pas. Lyrisme, voilà. On est fiers. Le professeur, vous êtes parolier chanteur. Ce qui est arrivé pour Nio, dans le festival Mouyamouné Nebabi, le professeur Gilles Kubens, aux alliés président et jury. Mais tout ça, on a besoin, dans la génération, il y a ma frère, un artiste, au Pony Labusso, tout ça, on a besoin, il y a trois chanteurs au bah au participer na festival ou même yo za membre jury nani ou koui ko définir ou koui ko benga bazala na festival le bazala belé non na balobi trois kaka ou bazo sala plaisir et bazo développer la culture si vous voulez la sonini pour ba na habiter ba génération za belé bon misato la génération elle qui na offert egola ou pour nana so babi misato. Non, pour un yé nan nous. Ferregola, oui. Pour un héritier Wata. Héritier Wata. Le troisième choix, nan, il va surprendre. Non. Ibrator Mpiana. Aza mystique. On prend Ibrator Mpiana. Ah, ouais, lui aussi, c'est un bon chanteur. Aza mystique. Aébi notes. Aébi méandre. Méandre vocal. Aébi. Non, pour un yé. Ou bien trois. Trois. Non, pour un yé. C'est pas pour rien à Kobo, papa chéri, ou pas ton piano. C'est pas pour ça que. C'est pas que pour ça. Mais. T'as moyen de la Santa Hello. Je sens, je le sens. Léonce. Le professeur, la moyenne à côté, la côté à autre. Mais la moyenne à côté. Non, la côté, trop sur la rabisso. Trop sur la rabisso. À bâton rompu d'ailleurs. À bâton rompu. Et voilà. Très bien, le professeur Gilles Kubens, déjà. Artiste, vraiment, concert et zone poto. Alors, papa chéri, il a envisagé ma production dans l'espace chanté déjà parce qu'il y a ma grande salle. Parce qu'il y a déjà bêta dans ma grande salle, mais tant que sous fanatique qui est à papa chéri, Zali, toujours peut-être. Papa chéri, alors, souvent, chacun a son tour chez le coiffeur. Voilà. Donc, la loi P et le Romoro, il n'a plus rien à prouver, oui. Bissot, va précurseur. Voilà. Vierre au chéri, déjà. Le grand de tous les temps avait à 8 fois, 8 jours dans l'Olympia. Dans Bruno Cocatrice. Cocatrix. Combat à l'Olympia. Basalo en Ezaki mythique. Quand les gars, même Basalo en Obalelo. Et Rochero, 8 jours d'affilée. D'affilée. Waouh. Avait à déjà. Ma grand-mère, avait à New Morning. L'Ombo Makiadi. Puis surtout, avait à Bercy. Et on a blagué. Zénith de Paris, Olympia. Tobé taba Medley Place na ba Canada na ba New Morning na États-Unis to utipé na États-Unis siko il y a quelques mois to uti na États-Unis pour dire que voilà bon vent à battre sur bazo emboîté bisopé bon bien sûr que ba sollicitation est ébélé et ba niko tous les lotes même temps ba abolitionniste bazo ba boyaté ba la proposition dont on voulait pas rentrer dans une logique de bras de fer avec nos frères. Il y a revendication à Bango et tout et tout. On est resté patient. C'est plus 2010 que dernièrement d'ailleurs, tu es aux États-Unis, tu es allé à Escale dans Roissy Charles de Gaulle. Tout à la Paris, là, c'est bon. Donc, mais voilà, tant ils ont les mettre dans des circonstances, tant on a décidé que, bon, Bissot Pétos, on va mettre aux Alandais, au Pessimbois. Bois. Et c'est BG. Machine à musique. Donc, Batubazo, il est là. Voilà. Il est là partout, l'ordre. Je salue Christian Kabassé à Londres. Je salue Nekonanga. Bon séjour d'ailleurs à mon frère qui est ici, Francis Mukendi. Okay. Des Chimanga, Tete Tendai. Moine, le grand Moine Tete Tendai. Je salue Batunion Soiseau soutenir Bissot. J'ai mon ambassadeur na Caroline du Nord. La Charlotte plutôt, Ali Kabea, Hercule Chibala. Donc, nous avons pensé à Guijou Maïla. Guijou Maïla, le leader du Texas. Naibi Kenzo Lanana, avant Naya, pour Bala Nabiso. Bala Nabiso, donc, n'a pas si bon beauté belé. Merci beaucoup, le professeur Gilles Kubens. Nous sommes toujours
en direct. Merci infiniment à un boss Ronald Sécurité Sociale, Bazota la mission à Paris, Alpha Ngongo Château d'eau, hein, salon qui tout qu'on a Château d'eau, on a Alpha Ngongo Château d'eau, je n'oublie pas Ambara de Saint-Ouen, hein, le seul et l'unique capitaine Ambara de Saint-Ouen, moi j'ai qui ben le professeur Ataïk Ambara de Saint-Ouen, voilà la combo, la combo et Vanda. Voilà Ambara de Saint-Ouen, le seul et l'unique capitaine à Paris, Amissi Kimbeni, monsieur propre, merci beaucoup. Basé belé vraiment, basé au talabis au Christian Moukoua, FMI. Voilà la toute dernière question. Le professeur, question Moukoua, n'a mon peu comme vous est-ce que papa chéri n'a nous à Canis Tade ou ça l'album n'a qu'à Tia BCBG? Il y a Banda Kala ou Taïb Sanga Banda Kala. Et bon, hésitation pour aller. Déjà hésitation, déjà choix. Ouais. Les achats. Ah, je n'ambitionne pas. Pour le moment. Pour le moment. Et peut-être pas aussi. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. On va attendre la sanction du temps, mais ce n'est pas, c'est pas ma tasse de thé. Pour l'instant. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Jusque-là, non. Jusque-là, non. Non. Voilà, très bien le professeur Gilles Kibans, mais bah tu vas signer un peu, question Mongoyawa. Merci beaucoup, bon mettant tout l'ancien Nzanga. Balbio, c'est la bango, bah Voko Nayo, et ça la plaisir à l'époque, na Zénith de Paris. Bah là, besoin Mayo Kasusu, ta voix là envoûtante, si vous voulez, caressante, et à Gilles Kibans, le professeur. Papa, Gilles Kibans a apprécié, Fali Poupate, on a papa Mouratine, le message là. Rien à l'ingi, peut-être que ngai na antenne na ngai ba pesinga na Léonce na antenne CD na lobe la mout na e peut-être. Les questions à l'ingi. Artiste en boka, comme on est pin simba, loko la ngai. Ok, très bien. Aza homonyme na ngai. Ok. Donc c'est des choses. C'est des choses. Pas de soucis, t'as pas tant à battre d'yon sauté. T'as tant ni au lobaï na na misatou. Misatou. Vraiment. Mais voilà. Son ancien à 4 nana zoate. Voilà. Zéro, donc, papa aussi il réponse là. Donc papa Paul, hein, Jean-Paul. Voilà. Papa Paul, donc voilà. Bisso et l'autre l'indica qu'à Mboka et qu'il bosse. Très bien. Ce qui est artiste Fali pour passer ça la honneur à Mboka. C'est tout bénéf. C'est bénéfique pour la nation. Nous, on réfléchit nation. Okay. On réfléchit, on n'est pas dans les. Déjà Mboka a déjà maîtrisé. On a division, on a Makambo et Bélé, on a guerre. Pourquoi tu continues sous au surfer quand on a vagouane à ma bête. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Baron Dolo, je sais que tu en as dit. Ok. Au bien émission, tout ça, là, Léon, c'est-il à battre quoi pour ça? Ah ouais, bien sûr. Et les bonnes choses ne dure jamais. C'est-il à battre quoi pour ça? Vraiment, en tout cas, on a profité là pour les alabos, mon message. Bon dimanche, bon dimanche, n'a pas si bon dimanche, bon dimanche. En fait, on a salué, on a soutenir là, de près ou de loin. On a salué très affectueusement mon épouse, ouais. La rose inaltérable de Kinfan Guerre. ma rose, maman la granelle. On a appelé ça Zali, elle a dit waouh! Nazaganayo, on était Toujours. Jésus-Christ revient bientôt, au coup de 3 momies, 2 momies, un bruit. Vous avez mon père en ancienne, Zanga, réalisateur, un habitant. Non, il s'en est. Bon, fidèle. C'est-à-dire, on a bien zongé. Tous à la bongo. On a bien zongé. 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 On